Une minute, un bibliothécaire. Alors moi, je vais vous parler donc d'Histoire d'un regard, réalisé par Mariana Otero donc en 2019, que j'ai justement le privilège de voir à l'Institut Jean Vigo donc en sa présence. Et en fait, tout simplement, ce film documentaire nous dresse le portrait de Gilles Caron, donc un photoreporter des années 60, qui a disparu tragiquement au Cambodge en 70, et en fait qui a été témoin majeur finalement d'événements historiques assez marquants, comme les événements de mai 68 ou alors la guerre du Vietnam. D'ailleurs, en parlant de mai 68, on a certainement vu la photo célèbre qui nous a dressée de Daniel Cohn-Bendit, il en est l'auteur. Mais au travers de ça, en fait, de cette histoire, finalement, en remontant le temps à travers ce documentaire, on se rend compte non seulement de la passion qu'a Gilles Caron pour les gens qui filment, qui se construit en quelque sorte dans le regard de l'autre, mais en fait toute la spontanéité, la richesse des émotions qui se dégagent à travers l'écran et de photos totalement captivantes, que finalement on a l'impression comme si on était, comme si on vivait ce théâtre avec lui, tout simplement comme si on était sur le terrain et comme s'il nous faisait partager les émotions qu'il ressent au moment présent, quoi, sur le moment T, quoi. Donc tout simplement une pure merveille, très enrichissante à voir absolument.